Hey, salut à tous, c'est Uzo. Alors, désolé pour le retard de cet épisode, j'ai eu quelques problèmes avec Internet. Mais me voilà, on est enfin là pour finir ce jeu. Enfin, on va essayer de le finir. Et c'est parti. Donc, pour info, vous rappelez quand je montais les escaliers, le téléphone sonnait. Et bah tout simplement, en fait, normalement, si j'avais répondu que ça n'avait pas bugué, et bah normalement, Zoé m'aurait répondu. Et m'aurait expliqué tout simplement que l'horloge qu'on avait récupérée, donc l'objet d'horloge qu'on a récupéré, il fallait le ramener ici. Donc hop, la pendule de l'horloge, on la ramène ici. Et normalement, il nous donne la tête de chien blanche. Ça, c'est nickel. Et on va la mettre du coup à la porte, comme on devrait le faire normalement. Allez, c'est parti, il nous manquera plus qu'une tête, et là, bah, par exemple, là, faudra que je pense remonter à l'étage pour essayer de voir si elle serait pas là-haut. Je pense qu'elle doit être là-haut. En tout cas, ça fait flipper ici. Donc normalement, on met cette tête là, on met la tête du deuxième loup, et voilà. Bon. Allons nous promener en haut. On va peut-être trouver... la troisième tête, elle est peut-être cachée quelque part. En tout cas, la mamie, elle bouge pas. En tout cas, la mamie, elle ne bouge pas du tout. Et je vais y aller avec le couteau. Donc ici, normalement, j'avais bien fouillé. Vivir duel, ce connard, depuis qu'on a attrapé Flo dans la zone de traitement. Ok. Une pièce antique. Une statue à casser. Normalement, j'avais tout fouillé ici. On va aller par là. Ok. On va aller par là. Dans l'eau, j'ai l'impression qu'il y a bien des trucs dedans, non? Ou c'est moi qui fume? Non, il y a un truc là. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Statuette, ouais. Waouh, c'est dégueulasse. Franchement, ça me donne pas envie de prendre un bain, hein. Pas vous? Qu'est-ce que. Oh, c'est quoi ça? Mais il est encore en vie, mais. Surprends, tu trouves pas? Encore plus fort que la mort. Crève, crève, crève. Ma petite fille nous a donné un don. Oh putain. Ce don est avec moi en permanence. On se casse, on se casse, on se casse, on se casse. Comme tu peux le voir, la famille n'est qu'une partie de son don. Putain, je cours comme une tapette en plus. T'es foutu. Putain, je me casse. Putain, vas-y, on se casse, on se casse. Tu perds ton temps. Putain. Oh putain, sa mère. Il fait flipper ce chien. Bon, cette statuette, je parie, elle doit nous aider à faire ça. Mais comment? Ah ah. Il y a un aigle là. Ni. Quel? Ok, ça c'est l'aigle. Oh putain, faut que je réussisse à bien le mettre. Comme dans le dernier épisode. Donc là, j'avais presque réussi. On y est, mais il manque un truc. Exact.
Putain, il m'a fait flipper ce connard quand même de sortir du mur comme ça. Qui a construit cette baraque ? Je sais pas qui l'a construit, mais en tout cas, tant qu'on peut être loin de ce fou, moi je me casse. Moi je me casse, franchement je me casse. Il fait flipper ce type. C'est une sorte de tableau de ah ouais, c'est une sorte de salle de chasse. J'ai l'impression. On va fouiller pas mal de trucs ici. Il y a quelque chose là. Utilisé pour repérer les objets. Okay. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Le résultat conquérant pour le mari, il est le deuxième. Malheureusement, la femme n'était pas pour se. On va se débarrasser d'elle. Ils ont pourri tous les trois. Lucas est imbécile. Il a mis le temps en 3 jours. C'est le 13e. Une belle petite photo avec. Une petite pièce antique. Je sais pas encore à quoi ça sert, mais je sens que ça va servir à quelque chose plus tard. Oh, c'est horrible. Oh, c'est horrible. C'est dégueulasse même. En tout cas, cette salle est contaminée de partout en fait. C'est assez lugubre. Oh. C'est quoi cette. C'est quoi ça? C'était quoi ce truc? Putain, what? En tout cas, il était facile à tuer. Franchement, c'est horrible, c'est dégueulasse même. Donc là, on passe dans la porte qui était bloquée par une sorte de scorpion. Je sais pas ce que c'est. En tout cas, je garde ma. Ok. Donc ici ça doit être un endroit pour on va les laisser ici, ça va nous faire de la place. Ok, on va garder ça pour l'instant. Ça aussi on a assez. Là ça je garde encore. Bon, on va fouiller un peu cet endroit. C'est en forêt sur un métro, mais peut-être que ça te donnera une chance de sauver ta peau. Il faut absolument que tu trouves les têtes de chiens sculptées qu'ils utilisent comme clé. J'en ai une dans la salle de dissection au sous-sol, mets ta main dessus, c'est le seul moyen de t'échapper. Oh, ça sort le bon piège. Je sens que quelque chose ne tourne pas rond chez moi, justement cette saloperie qui m'ont fait avaler. Si je dois y rester, je veux au moins me battre. Je vais m'emparer du fusil que j'ai vu dans la salle de jeu et je vais leur faire regretter ce qu'ils m'ont fait subir. What? Je sais qu'il faut la salle de chasse dans tous les cas. Elle est verrouillée. C'est-à-dire que quand on prend le fusil, on se retrouve dans la merde. Donc bon. On va tous les cas sauvegarder, une petite sauvegarde des familles. Allez, hop. Et re à tous. Alors oui, j'ai changé de t-shirt. Oui, je suis complètement décalé. De à peu près quelques heures. Donc je me suis énervé juste pour la suite. En fait, il y a eu quelques soucis. Donc j'explique, j'ai fait beaucoup de rage quit, j'arrivais pas à passer la suite et en fait tout simplement je suis allé chercher une solution sur internet. Oui, j'ai regardé une solution sur internet et j'ai trouvé enfin la solution pour passer tout ça. Et à la fin de la vidéo je vous mettrai un best of de mes pires rages que j'ai eu pendant quasiment ces 2 heures de suite. Et en fait tout simplement bah, je vais vous expliquer comment réussir si vous êtes aussi perdu dans ce niveau là pour réussir à avancer. Donc allez c'est parti, on reprend la suite de notre let's play. Et donc déjà
Ok, voilà. Donc déjà, on va en fait enchaîner ce genre de mob. Qui fait vachement flipper, on se remet un peu dans l'ambiance là. Donc lui, on va se le faire au cut. Voilà. Ok. Ambiance tamisée. on va fermer la porte. On va un peu ouvrir tout ça. Alors, j'ai attrapé le tigre qui passe son temps à essayer de s'enfuir. Je l'ai enfermé dans l'incinérateur tout à gauche pour qu'il ne puisse pas lui s'échapper. Charge-toi quand il sera prêt. Tu te souviens comment ouvrir la porte, n'est-ce pas? Retiens jusqu'à... juste ça. 3A et une empreinte de main. Fais ce que tu veux de la fille. Ok. 3A. Attendez. Ce que je ne comprends pas. ⁇ 3A et juste une empreinte de main. 3A. Derrière, j'entends le bruit glauque. Vachement fait flipper ce truc. 3A. Lara, Sean, William. Mais moi, je sais pas perso. Greg. ⁇ 3A, alors là je vois pas ce que c'est. Normalement c'est verrouillé. Putain c'est quoi ce mince. On va trouver. Donc j'ai regardé sur la solution sur internet, donc fallait venir ici. J'ai pas lu plus loin pour pas me foutre le stress. Attends, je comprends pas là. Je te souviens comment ouvrir la porte, mais pas, je retiens juste ça. 3A et une empreinte de main. Donc ça va être celui-là. 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 Et celui-là. Il doit y avoir quelque chose dessus, c'est obligé. C'est obligé. Je suis pas quand même chez père quand même. Ça va être chaud là. Elle est perdue déjà ici. Bon, on va bien trouver quand même. Je l'espère. Putain, faut que je regarde s'il n'y a pas quelque chose que j'aurais pu laisser. Ah, il y a de la poudre de canon. Il doit y avoir autre chose. Alors là, qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire? La poudre de canon que je peux améliorer avec quelque chose d'autre. Mais avec quoi? ⁇ 3A. Donc ça va être du coup peut-être sur... sur les... Putain, je cherche peut-être un truc bizarre. Mais 3A, il y a un A, il y a un seul A. Lara, il y en a deux. Zamara, je dirais. Il y en a... Il y en a combien? Tamara. Il y en a 3, 3A. Fuck. Ça va être là. Ça va être ça, c'est obligé. Ah bah... Putain, sa mère. Non, mais là, par contre, le temps que je me soigne. Putain.
Fuck. Fuck. Fuck, celui-là est pas facile à tuer du tout. Ah, celui-là était pas du tout facile à tuer. Bon, ça c'est fait. Un en moins. Ok, un en moins déjà. Celui-là était pas du tout facile à tuer. Petit coup d'œil. Donc on a des suppressions, ok. Ok, ok. Oh non, il y avait du fluide. Il était par terre. Ah ouais, bah ça je vais par contre le fusionner direct. Je vais me faire des balles spéciales. Alors, LT. Ok, donc on a appris un peu le... Oh, ok. Ah, on peut pas les... Ah si, on peut les améliorer quand même. Changement de munitions. LT. Ah, d'accord. Et ok. Ok, bon, c'est parfait. On pourra changer comme ça. Ouais, c'est pas ces clés là. Alors, je passerai pas cette porte. Franchement, c'est la porte de la mort. C'est là où j'ai fait que rager. Mais là. De traitement, nickel. On a de l'herbe. Les munitions de pistolet. C'est verrouillé. Ça a l'air d'être un laboratoire ici. Il y a eu des petites expériences un peu bizarres. La clé scorpion. On a trouvé la clé. Nickel. On a trouvé un crochet. Une photo de trésor. Il y a un truc à... Il y a un truc qui s'est ouvert. Il y a un truc qui s'est ouvert. Donc ok, il y a un trésor qui est caché. Je prends mon flingue, je flippe un peu. Pas vous dire, pas vous mentir. Ah, c'est du fluide chimique. Faut que je trouve quelque chose à jeter là. Merde. Salle de dissectation, une clé sur laquelle est écrit sac de dissectation. Aussi. C'est super utile. Je suppose que je peux jeter quand même un petit truc par terre, non? Mais là, j'ai quoi d'équiper là? Ouais. Du coup, elles sont parties où les balles? Ok, donc elles sont enlevées de l'inventaire, c'est déjà ça. Comment on jette ça? Ah ouais, on peut pas récupérer les objets maintenant. Waouh. Ça, c'est dommage. C'est dommage parce que là. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai dû le jeter sans faire exprès. Ah ouais, ça descend encore plus bas. Ouh. Je le sens pas là. Vous le sentez vous? Pas moi. Ouais, je le sens pas. Est-ce que ça rentre quelque chose là? C'est un serpent, donc ça, cette porte, elle sera ouverte avec la clé serpent. Ok, je commence à comprendre un peu. Putain! Je me disais, il y a bien quelque chose là. Oh non! Je suis mort. Non! Non, j'ai pas fait tout ça pour mourir. Oh non! Putain! J'aurais pas dû. Bon, on revient là, putain, en plus. Oh, fait chier. On va devoir refaire tout ce qu'on a fait. Mais cette fois, on aura les balles améliorées.
On sait où trouver le fluide et tout, donc ça va être nickel là. Ça va être nickel, putain, ça sera toute la flip là. Ok, nickel. Attends, deux coups c'est... Ok. Bon, cette fois on n'a pas perdu de vie inutilement. On a trouvé le fluide qui était par terre, voilà. Ok, nickel. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on le crée. Hop. Donc là, ça va être propre. Merde, c'est pas ce que je voulais faire, mec. Ok, hop, on change de chargeur. Ok, donc faut lire la notice. Donc on va au casier de Tamara. 3A. La main rouge. Si je dis pas de conneries. Normalement. Voilà. Easy peasy. Easy. Hop là. Ok, nickel. On repart là-bas. Faudra faire attention juste au mob au retour. Putain, il m'a bien fait flipper ce bâtard. Ouh, c'est chaud. Zone de traitement. Pas de soucis. La clé scorpion, c'est nickel. Le pote de clochet. Ok, nickel. Ah, tu fais une entrée remarquable, toi. Voilà. En fait, quand tu vises, tu perds trop de vitesse. Il faut que je commence à viser sans viser. Par contre, c'est tellement mal fait. Le truc, il est sorti de là. Donc, il y a bien un truc qui est sorti. Mais ça, c'est resté. Donc, fuck un peu la logique. Ce que je veux faire, c'est que je veux me guérir. Je vais en profiter. Je vais prendre ça, qui est là. Et vous savez, je vais créer. Voilà. Comme ça. Là, j'ai économisé. C'est bien ce game over. Ça m'a permis d'économiser pas mal de sous. Enfin, pas mal de vie, plutôt. Attends, j'espère pas en retrouver un sur mon chemin là. Ce genre de bestiole, je déteste. Ah. Tu vois, encore à Outlast, ça me faisait bien flipper. Mais lui, il me fait encore plus flipper parce que là, tu dois vraiment te battre contre les mobs. C'est plus comme tu es victime de l'action, là t'es vraiment au sein de l'action. Et ça j'aime bien. C'est vrai que je suis pas fan à contester des Resident Evil, mais faut avouer que c'est bien pensé. Ok, donc je sais maintenant où aller là. Putain, ici j'ai toujours une baisse de framerate, c'est... C'est ahurissant. Il est en bas. Il est en bas, il est en bas. Oh putain. Oh. Il me fait flipper lui. Putain, allez. La clé clore scorpion, la clé scorpion, allez. Ferme la porte. Quel fusil est cassé, ça va nous permettre de changer. J'en ai marre de courir après tous ces abrutis dans le jardin. La prochaine fois que l'un de nos visiteurs tente de se faire la malle, cache les têtes de chiens qui nous permettent de sortir de la maison. Livre, salle de dissectation au sous-sol. Ok. Y'a rien de caché à l'intérieur. Ah ouais, ok, je vous écris car j'étais un. Putain, c'est chaud là. Donc ça c'est la chambre du papy, du vieux ou de la vieille, je sais pas. En tout cas, c'est le bureau de quelqu'un. Futimique, je peux plus en prendre.
En tout cas, là, ça me donne pas envie de sortir. Clairement, ça me donne pas envie. On va sortir par là. Je vais me mettre accroupi, on sait jamais. Oh l'enculé, il est là. L'enculé, il est là. Ok. Ok, nickel. Oh putain, j'ai pas de place pour prendre de... Fait chier, qu'est-ce que je peux jeter là? Ah, je peux pas jeter ça là. Putain, merde, merde, je me retrouve dans la merde là. Qu'est-ce que je peux jeter, putain? Faudrait que je puisse retourner au coffre, mais comment je vais y retourner? Il est là, il est là. Faudrait que je récupère, que j'aille au coffre. Ok. On va retourner au coffre, les amis. On va aller récupérer le fusil à pompe. Et on va voir la suite de l'aventure. En fait, faut que j'attende qu'il finisse sa ronde. Et que je puisse aller récupérer ça. En gros, il me faudrait deux places dans l'inventaire. Donc, c'est-à-dire que je devrais... Putain, fais chier. Fais chier, fais chier. Ça va être chaud. Oh putain, bouge, faut que tu retournes à la porte là. Donc la clé, faut la garder obligatoirement, j'en ai encore besoin. Les munitions aussi. Mais je pense que je vais aller déposer ça et ça dans le coffre, comme ça je puisse récupérer le fusil. Bon, ça c'est mal foutu quand même, au niveau de l'inventaire. Mais on va faire avec. On est dans un jeu de survie, on n'est pas sur WoW, on peut avoir des sacs à 25 exemplaires. Ok, j'ai 10 balles sur 30, c'est cool. Allez. Je sais que lui on pourra jamais l'affronter, il se régénère trop. Il se régénère trop vite. Mais normalement il doit partir là-bas, allez, casse-toi. Écrasé comme un insecte. Oh putain. Oh putain. Putain, il est en haut, cet enculé. Tout à l'heure, je l'attendais, il est en haut. Oh là là. Allez, ferme la porte. Normalement, il peut pas venir ici. Hop, je sauvegarde un coup. Ah, je sauvegarde un petit coup, ça va faire du bien. Là, je peux le dévoyer, je crois que j'avais. Ah non, je l'ai jeté, je crois. Je sais pas où je l'ai mis. En tout cas, là. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre ça, ça c'est sûr. Les balles, j'en ai besoin, mais on va, je pense, mettre... Oh, le crochet, il est là.
le clocher là. Je vais mettre les cartouches de fusil par là. On va voir ce qu'il y a ici. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Oh, super, des munitions de pistolet. Comme si j'en avais pas assez. Là aussi ça va partir. Ah mais ça c'est le truc. Faut que j'organise tout ça quoi. Bah attends, ça on peut pas le mettre normalement. Dommage, on peut pas l'équiper donc je peux pas le mettre dans ma truc de raccourci. Bon, c'est parti, on va chercher le fusil. Je flippe un peu, je vais pas vous dire. Allez, je vais chercher le fusil. Chercher le fusil. Ok, nickel. Je prends celui-là. Et hop, on refonce dans la salle scorpion. C'est le but. De toute façon, faut redescendre là où je rageais en fait. Là où je me faisais pulvériser les fesses. Il faut que j'y retourne en bas, dans la cave. J'ai pas envie d'y retourner. Allez, c'est parti. On va récupérer nos munitions de pistolet. J'ai encore un remède ici. Bon, c'est pas un problème. Du coup, hop, on va recharger. Nickel. Eh, la vue du fusil quand même, c'est... T'as l'impression que t'as un gros mastodonte dans les mains, quoi. Bon, allez. On se retrouve au prochain épisode. Et ouais, on coupe maintenant pour éviter que l'épisode soit trop long. Mais je vous promets que le prochain épisode, ça va être la pure flip. Et je vous laisse un petit best-of de ma rage juste après ça. Donc, j'ai dû mourir une dizaine de fois. Vous allez voir, je m'énerve vraiment. Sur ce, à bientôt. Et je vous promets, cette fois, les épisodes, ils arrivent plus vite. Putain, c'est horrible. C'est horrible. Putain, en plus, les déplacements sont juste... Ah putain, mais c'est impossible. Franchement, on va pas aller loin comme ça sans fusil à pompe et tout ça. Ah, crève! Ah, saloperie. Il y en avait un deuxième tout à l'heure. Mais non. Oh putain, je suis encore mort. Fais chier, je comprends pas. Je vais me faire buter encore. Allez, encore une, allez. Putain. Putain, par contre ça c'est pas du jeu les gars. Non mais c'est pas du jeu là. Pas du jeu mec, c'est pas du jeu là. Qu'est-ce que tu me racontes là? Putain. Niquez vos races. Et voilà. Non, c'est bon. J'arrête de jouer à ce jeu. Ça commence à me vénère.